Le bien-être des populations de nos villes et de nos campagnes passe par une bonne gouvernance, mais surtout une gouvernance éclairée qui, à travers ses réformes et innovations, apporte des solutions conséquentes aux problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Béninoises et Béninois. Mesdames et Messieurs, Bénin Évolution de ce jour s'intéresse aux nouvelles dispositions porteuses d'espoir contenues dans le budget de l'État, exercice 2015. Suivez. Le jeudi 8 janvier 2015 a connu, entre autres événements, le lancement officiel de l'exécution du budget de l'État gestion 2015 par le ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes de Dénationalisation, Kwame Kuchi. S'élevant à 1 506 638 millions, les réformes majeures introduites dans le dispositif d'exécution des dépenses publiques permettront à terme de gagner le pari de la transparence et de l'efficacité, toutes choses qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le constat qui est fait, c'est que la plupart des commandes publiques sont concentrées au sein d'un oligopole. Il y a seulement quelques personnes qui, pour ne pas même dire monopole, mais comme ils sont quelques-uns, qui prennent systématiquement toutes les commandes de l'État. Alors que pour que nous sentions réellement que le gouvernement fait des efforts qui se répercutent sur la population, il faut que ceux qui vont aller au marché Saint-Michel, au marché de Godomé, au marché de Calavi, puissent avoir de l'argent, puissent avoir le pouvoir d'achat qu'il faut. Et donc nous pensons qu'il faut continuer au gros, il faut continuer de donner la possibilité au gros de gagner, mais il faut pouvoir répartir un peu la masse monétaire pour que cela se répercute sur les gens qui sont capables d'aller acheter des choses, chez les bonnes dames, qui sont en réalité ceux qui sont touchés par la pyramide à la base de la pauvreté. Toutes ces mesures ont été sous-tendues par d'autres politiques au plan fiscal, comme par exemple la mise en place d'une fiscalité appropriée pour les petites entreprises. Et certaines mesures, notamment sur la chaîne des marchés publics. L'aboutissement heureux de toutes ces réformes passe par le respect scrupuleux des dispositions qui y sont attachées par tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'exécution des dépenses publiques. Vous devez prendre toutes les dispositions utiles pour affecter au traitement de ces dossiers au moins 10% des crédits chargés trimestriellement en tout état de cause. Le système informatique de la Direction générale du budget est déjà configuré pour bloquer tous les ministères qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions. Le lancement officiel de l'exécution du budget général de l'État gestion 2015 a été accompagné de la remise aux acteurs de la chaîne de dépenses publiques de certains outils de soutien que sont le guide de l'exécution des dépenses publiques, le passeport du contrôle financier, le répertoire des prix de référence pour l'administration au titre de l'année 2015. Il faut observer que dans le cadre de l'exécution du budget de l'État, gestion 2015, et pour le budget des autres années à venir, sous l'autorité du ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation, nous avons retenu deux objectifs majeurs. Un objectif quantitatif et un objectif qualitatif. C'est dans l'atteinte de ces deux objectifs que, sur instruction du ministre de l'Économie et des Finances, il a été élaboré les deux premiers documents dont vous avez parlé. Le guide d'exécution des dépenses publiques et le passeport du contrôle financier. Le guide d'exécution des dépenses publiques, qu'est-ce que c'est? Il faut observer que l'exécution de la dépense publique fait intervenir différents acteurs. Or, pour garantir l'efficacité, la célérité dans l'exécution du budget, il faut que chaque acteur connaisse quel est son rôle et les responsabilités qui en découlent. Cela suppose que chaque acteur maîtrise ce qu'on attend de lui dans le cadre de l'exécution de la dépense publique en respectant les normes, les règles en vigueur. En ce qui concerne le passeport du contrôle financier, le contrôle financier, c'est une structure qui est sous l'autorité directe du ministre de l'Économie, des Finances et des Programmes de dénationalisation,
qui occupent une position administrative particulière dans l'architecture administrative de l'État. Le contrôle financier est au cœur du système administratif de l'État. Les tests disent, les normes disent que tout acte d'engagement des dépenses doit pouvoir être soumis au visa préalable du contrôleur financier ou de celui de ses délégués. Les mesures de politique économique contenues dans le budget général exercice 2015 donnent la priorité aux entreprises locales en vue de stimuler et de booster la consommation locale. À cause des importations, ça fait que les producteurs locaux n'arrivent pas à écouler et leurs produits. Si déjà le gouvernement prend une telle initiative pour accompagner ce succès, pour moi c'est louable. On ne peut que remercier le gouvernement Yahi Boni. Pour moi c'est une grande joie. Parce que si 60% de ce que les gens vont consommer dans les internats de l'État, dans les cantines, tout cela, va aller vers la production locale, pour moi, on ne peut que remercier de ce gouvernement-là. Cette fois-ci, je suis très content pour que le président de la République, avec son gouvernement, a décidé de consommer les meubles locaux. Maintenant, ce qui a lieu est qu'il faut que les autorités et nos grands frères de l'autre côté de rive pratiquent, puisque depuis le premier quinquennat du président de la République, il avait déjà dit, maintenant, une seconde fois, au nom de Kwame Kuchi, le ministre des Finances, il a décidé, il a voulu vraiment qu'au moins les 60% de l'utilisation des meubles soient fabriqués au Bénin. Voyez-vous un peu les enfants, les ouvriers, si nos nôtres, nos grands frères n'arrivent pas à acheter chez nous, comment nous pourrons évoluer avec toutes ces installations, avec tous ces ouvriers, avec tous ces apprentis? Les réformes majeures introduites dans le dispositif d'exécution des dépenses publiques sur le plan de la transparence et de l'efficacité budgétaire. La réforme des recettes auxiliaires pour l'unicité de la trésorerie, l'élaboration de deux outils, le guide d'exécution des dépenses publiques et le passeport du contrôle financier, l'actualisation du répertoire des prix avec des innovations majeures, la dématérialisation de la chaîne de gestion des dépenses publiques sur le plan de la discipline budgétaire, priorité au paiement des dettes antérieures au cours du premier mois de la gestion budgétaire, de sorte à consacrer 10% du premier chargement de crédit à l'apurement des dites dettes et 15% pour les nouveaux engagements jusqu'à apurement total des anciennes dettes. L'arrimage des autorisations d'engagement au rythme d'entrée des recettes. Encadrement et régulation de certains postes de dépenses à grande consommation de ressources tels que ceux de location de véhicules et des voyages à l'extérieur. La réglementation des arrêtés à incidence financière, même pour ceux qui sont intrinsèquement liés aux attributions des structures bénéficiaires. Du point de vue des mesures de politique économique, réservation de 60% des commandes de mobilier de bureau à la consommation locale, ce qui appelle des artisans un effort de satisfaction des besoins de l'administration. Réservation de 80% des commandes de vivres au profit des cantines, restaurants universitaires et prisons civiles à la production agricole nationale. 50% des commandes de la fourchette de 0 à 5 millions de francs CFA doit revenir aux petites et moyennes entreprises PME conformément aux standards du Small Business Promotion. Ce budget, lorsqu'il est exécuté dans le strict respect des mesures indiquées, supra devra permettre d'atteindre les objectifs macroéconomiques ci-après. Un taux de croissance de 6% contre 5,7% en 2014. Un taux d'inflation d'environ 2% contre une norme de 3%. Un taux de pression fiscale de 16,1%, un taux d'investissement public de 8,5% du PIB contre 6,7% en 2014. L'amélioration du fonctionnement économique de la nation, la diminution du taux de chômage, l'accroissement des revenus par tête et le PIB par habitant. En somme, la réduction des inégalités sociales. Tels sont les buts visés par le gouvernement en engageant dans le projet de budget exercice 2015 de nombreuses réformes économiques. Merci de nous avoir suivis. C'était Bénévolution.